Ça se passe à fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine aujourd'hui, Magazine Marvel Spider-Man, donc de janvier 2023, donc le premier magazine de cette année. Aujourd'hui, la figurine, donc c'est Max Morales, pas la nouvelle version du set de sa voiture hein, que je vous avais montré dans le hall. D'ailleurs, j'ai la boîte juste là. J'ai pas la fière parce que je m'avais pris une semi-fig. Voilà, pas de ce set là. Alors que je vous ai pas encore montré parce que j'aimerais bien trouver les figurines sur le marché secondaire. Enfin, ça c'est une autre question. Mais surtout, donc c'est pas la même figurine, c'est celle du Mecha et du Daily Bugle. Mecha que j'ai d'ailleurs. Je vous ai pas présenté parce que j'ai pas encore ma chaîne. Donc ça, voilà. Enfin. Je crois que bon. Qu'est-ce qu'il a, mon skateboard? Ah, ok, c'est l'autre qui a le problème. Ok, donc, du coup, toujours l'emballage cartonné, ça, ça change pas, c'est bien. On n'est pas sur un normal, un normal, un cartonné, ça, c'est bien. Ensuite, on a, du coup, une araignée. Attends, je vais montrer la figue. Ici donc on a Miles Morales, capuche du coup Bordeaux, tête qui date de sa deuxième version donc, en 2018, torse du Mecha ainsi que du Daily Bugle, les jambes c'est les jambes en dual molded, vous pouvez le voir ici, notamment des généraux de l'Empire dans Star Wars, ça c'est les petits power blasts généralement utilisés sur Iron Man, mais vu que là Miles Morales il a des toiles électriques, bah du coup c'est comme ça qu'il est représenté. Skateboard violet avec quelques petits trous, voilà. Donc ça c'est pour la figurine en elle-même, en sachant que il est accompagné d'une petite araignée. Et voilà, du coup ça j'ai déjà fait le tour. Et donc maintenant on va stacker au magazine. Alors spectaculaire ce spider bag, donc visiblement c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord. Pourquoi pas 6,99. Ok, pourquoi pas. À voir du coup si le prochain est au même prix ou s'il baisse. On verra. Donc, du coup, la page, voilà. Là, on a la petite pub pour le magazine Ninjago. Juste ici. Plutôt sympa. Je vous présenterai aussi normalement le lendemain de cette vidéo. Donc, si tout va bien. Enfin, le jour d'après, quoi. Ici, il y a une petite page sur Miles Morales et un petit jeu avec, etc. Ah oui, ok, tu fais rouler ton skateboard dessus selon où t'arrives, t'as plus ou moins de points. Ok. Tes amis, chacun fait là. Okay. Ensuite, là, on a une petite page de jeu, pardon. Juste là, là où Spidey, enfin Peter, il devait chercher son costume de Spider-Man. La dernière figurine du dernier magazine. Et là, tout le monde se fait visiblement. Tout le monde se fait visiblement un petit peu. Bah, vénomisé, quoi. Alors, c'est assez bizarre, mais visiblement, ça reprend les figurines du Daily Bugle. À ce que je vois. Là, par exemple, on a Daredevil. On a un habitant du Daily Bugle. Enfin, un habitant, un employé plutôt. Là, on a Firestar. On a Peter Cochon, etc. On a deux fois Mysterio d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être du coup dans le magazine, on pourrait avoir un Daredevil ou une Firestar, ça pourrait être sympa. Très clairement, je vous le dis, hein, si un jour il y a un Daredevil dans le magazine, j'en prends deux. J'en prends deux direct. Ensuite, ici, petite BD, avec visiblement un méchant magicien. Pardonnez-moi. La suite de la BD. Hop, encore la suite. Là, on a une petite page sur Dr. Octopus, ainsi qu'un petit poster Peter Parker et Spider-Man, là. Petit poster Team Spider, avec Miles Morales, Gwen Spider et Peter. La suite du poster Peter et Spider-Man. Là, des vilaines ombres, il faut trouver les méchants relatifs. Donc, Mysterio... Super Bouffon, Bouffon Vert, Venom ou Carnage, ça dépend. Et Dr. Octopus. Ok.
Ensuite, ici, un petit jeu Spider-Man vs Bouffon Vert. Suite et fin de la BD, je présume. Voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, ici, on a un petit jeu, juste là, ainsi qu'un petit coloriage à faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coloriage dans le magazine, donc ça, c'est cool. Ensuite, petite pub ici pour le magazine Star Wars avec Luke Skywalker. Et petite pub pour les cartes, du coup, pas Jurassic World, mais la nouvelle série de cartes cristallisées surtout. Et donc, série 6 déjà. Alors que je crois qu'en Allemagne, on est série 9. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine? Le bouffon vert. Avec le planeur. Alors ça, je suis super content. Parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous pouvez savoir, mais je fais des mocs. Et surtout, j'avais fait un mock sur le méca du bouffon vert. J'avais fait le planeur en fait du méca. Et j'avais pas fait le planeur pour la figurine dans l'album. Donc ça, c'est bien. Et je pense que je pousserai même le vif à carrément faire un socle dans le robot pour le placer dedans. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je crois que c'est la même figurine du coup que le mecha, donc ça c'est génial. Les petites bombes en plus, bref, assez sympa. À voir si ce sera toujours 7 ou 6,50, ça sort le 27 avril, et je serai là pour vous en faire part. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette superbe vidéo magazine, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire penser, et voilà, bah du coup c'était MC, la chaîne vous aura plu, qui vous dit bye!